Ma rencontre avec Jason m'a apporté une foule de choses. Sur le plan affectif, évidemment, j'ai rencontré ma douce moitié, une personne qui me fait sourire, qui carbure au défi. Donc ça, ça me motive énormément. Sur le plan culturel aussi, ça a été super enrichissant. Je me suis mis à m'intéresser un peu plus à la nation Huron-Wendat, aux Premières Nations en général, puis également à la nature, à la chasse, à la pêche. Là, c'est devenu une passion commune. Première chose que j'ai fait découvrir à Barbara, c'est la pêche. Moi, je suis un maniaque de pêche. Évidemment, c'est le territoire, le Nyon-Wensio, c'est dans ma culture. Puis moi, je l'utilise, c'est une ressource pour moi. Donc, lui faire découvrir mon territoire, l'amener dans ce que les non-autochtones appellent la réserve faunique des Laurentides, ce que nous, on appelle le Nyon-Wensio. Je pense que ça a été notre première activité. Je l'ai amené pêcher, on s'est fait un petit shore lunch. C'était vraiment magique. Quand j'ai rencontré Jason, l'aspect culturel ne m'a absolument pas sauté aux yeux. Moi, je rencontrais un humain, je rencontrais un homme, je rencontrais un voyageur, un entrepreneur, un gars qui me fait rire. Pour moi, il n'y a pas vraiment de défi d'adaptation d'être en couple avec un Wendat. Ben, les défis, j'en ai pas. Les Wendat et nous, on est voisins, on vit ensemble depuis nombre d'années, donc ça se fait naturellement.